Nous avons la chance que le centre de hantélographie alpine Pierre Gallet ait été créé et cet esprit de sauvegarde était en aide au moteur. De nombreuses vieilles vignes ont été arrachées, mais il n'est pas trop tard. Tous les ans, nous découvrons quelque chose de nouveau. Il reste encore beaucoup à faire, à visiter de nouveaux secteurs, de nouvelles vignes. La dynamique est lancée, mais il est nécessaire d'avoir plus de monde impliqué au sein du centre d'hantélographie alpine Pierre Gallet. J'insiste pour que les vignerons soient beaucoup plus actifs. Des amateurs nous apportent leur appui, mais c'est à nous, les professionnels, à savoir ce que nous voulons pour demain et pour nos enfants. Encore quelques félicitations, tu es très honoré de nous rencontrer et de nous remettre cette récompense bien méritée. Et merci à tous les amis de Savoie. Faites mon meilleur souvenir à Amédée Mar. On ne le voit pas, on va le voir Marc. Merci beaucoup. Merci M. Chupé. Je rappelle que le Centre d'hantélographie a été créé pour héberger et valoriser l'important fonds documentaire du professeur Pierre Gallet, que nous avons le plaisir d'avoir parmi nous aujourd'hui. Ce fonds documentaire est déposé au musée de la vigne et du vin de la ville de Montmélian. Son rôle est d'être un pôle de référence hantélographique destiné à l'ensemble du monde viticole en général et à celui de l'arc alpin en particulier. C'est l'histoire qui a fait que certains cépages ont été mis. Et là, les cépages actuellement, c'est une grosse tendance sur ces cépages entre guillemets oubliés, rares, modestes, on peut appeler par beaucoup de qualificatifs, mais on a ces cépages, il y a une grosse panoplie. Savoie, on a une quinzaine, une vingtaine de cépages, pour beaucoup qu'on ne connaît pas. Donc on est en train de retester la mondeuse grise, hein, puisqu'on a la noire, la blanche, et on a retrouvé la grise, une première vinification cette année, de moins de 100 litres, hein, 80 litres. Après, on a la Sainte-Marie qu'on est en train de recultiver. Dans un an ou deux ans, on va avoir les premiers jus. On ne sait pas du tout ce que ça fait. On sait que c'est un cépage précoce, on sait qu'elle mûrit bien, mais en vin, on ne sait pas. La Douce Noire, il y a des essais qui sont faits. On sait anciennement comment elle était utilisée en assemblage avec le persan, principalement. Mais pour le moment, c'est tout à faire. C'est tout à faire. Chaque région aujourd'hui essaie de retrouver ses origines et nous en Savoie on a une très très vieille identité viticole, un gros potentiel viticole. Donc avec le centre d'hantélographie on recherche, dans des vignes, pas dans des zones viticoles mais hors zone viticole, chez des anciens agriculteurs, on repère des vignes, on va voir les propriétaires, on regarde, on fait un travail déjà depuis 3 ans. Et après, moi, au niveau de la pépinière, je les greffe, j'essaye de les multiplier, de voir ce que c'est. On va les remettre en conservatoire pour vraiment garder l'hétérogénéité, la biodiversité. C'est vraiment très, très important aujourd'hui de conserver et d'essayer de travailler sur cette biodiversité, cette richesse de nos vieux cépages.